Simple instrument par lequel tu veux utiliser pour parler à ton père et nous bénir. Béni soit-il. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Et tout esprit contraire à ta volonté, Père, je le chasse loin d'ici dans le nom de Jésus. Et toi seul, tu prends ta place de roi et parle. C'est à ton nom, j'ai ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, salue la personne qui est à côté de toi, qui t'a pas vu durant la semaine. Ah, toi aussi, j'étais salé, toi. Amen. Non, mais non, t'inquiète. Ça va toi? Le message que nous allons partager ce matin, Dieu se fait un nom. Alléluia. Nous allons vivre dans le livre de Exode 3. À partir du 13e verset. Exode 3, versets 13 et 14. Je lis pour la gloire de Dieu. La Bible déclare, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais, s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse au verset 14, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Alléluia. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, si on veut appeler Dieu à un nom, moi, si je viens d'Afrique,
Si je parle français, je vais dire, je vais l'appeler Dieu. Ou Jésus. Mais celui qui vient en Ukraine, il lui appelle comment? Je sais pas. Bog. Bog? Et celui qui parle portugais, il appelle comment? Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, si on ressemble toutes les langues du monde, nous allons entendre plusieurs noms. C'est seulement pour appeler notre Seigneur. Moi, j'appellerai, c'est mon Jésus. Là-bas, on va appeler un autre nom, mais c'est la même personne. Mais ça, c'est le nom que nous avons donné à notre Seigneur. C'était l'introduction, nous allons dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 7, 14. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous avait annoncé. Ésaïe 7, verset 14. La Bible nous dit ceci. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, voici. La jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom Emmanuel. Bien-aimé, Emmanuel qui veut dire Dieu est avec nous. Donc Dieu habite avec nous. Autrement dit encore, Dieu qui séjourne avec nous, il demeure avec nous. Emmanuel, Dieu parmi nous. Bien-aimé, parce que le Seigneur, il avait annoncé, il y aura le Messie qui va naître sur la terre pour sauver l'homme qui était dans le péché. Mais là, le prophète Esaïe a reçu cette révélation. On l'appellera Emmanuel. Il va vivre avec nous sur la terre comme un homme. Oh, bien-aimé, quelle joie que Dieu descende sur la terre. Mais nous allons maintenant dans le livre d'Esaïe 9, 6. La Bible va nous dire ceci. La Bible nous dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera l'admirable. Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ça, c'est les noms, tous ces noms-là, c'est pour une seule personne, celui qui allait naître. Bien-aimé. Mais, si nous regardons tous ces noms-là, ce ne sont que des titres. Qui aura la personne qui allait venir pour sauver l'humanité? Nous l'appellerons l'admirable. Conseiller, Dieu puissant, Père éternel et Prince de paix. Tous ces noms-là. Mais ça englobe seulement un seul nom. Bien-aimé, on a reçu cela. Mais, nous allons parcourir maintenant dans le livre de Matthieu 1, 18, ce que la Bible nous dira à propos de cet enfant, l'admirable conseiller, le Dieu puissant, qu'Esaïe nous avait parlé.
parlé. Il nous a donné d'abord le nom d'Emmanuel. Il serait avec nous sur la terre. Maintenant, il donne notre nom. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Mais tous ces noms-là, si on appelle quelqu'un, ça serait lourd. Mais tout ça, ce n'est que des titres qui est sur l'homme qui allait venir. Dans Matthieu 1, 18, la Bible nous dit ceci. Voici de quelle manière arrivera la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme ils y pensaient, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin qu'il s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Là encore, la Bible nous dit maintenant, tout ça pour un homme, ça fait beaucoup. Or, il n'était pas un homme, c'était Dieu. Bien-aimé, tout ça, ce n'est que des titres pour dire que c'était lui. On va l'appeler au nom de Jésus. Mais si nous regardons dans la Bible, nous n'allons pas voir qu'un endroit on appelait Jésus. Emmanuel vient. Non. Dans la Bible, il n'y a pas. On appelait bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'il y avait un nom qui était caché quelque part. Dieu, à Moïse, il s'est révélé. Il lui a dit, quand on te demandera, qui t'a envoyé, dis-leur, je suis qui t'a envoyé. Si lui, il est, il suit. Nous nous sommes. Bien-aimé, il dit que je suis. Donc, celui qui existe. Ça veut dire, celui qui parle là, celui qui y est. Autrement dit, il dit encore, je suis, mais Moïse ne le voit pas. Il entend seulement la voix. Donc, c'est la voix qui lui parle. Il lui dit, je suis. Qui? Moïse voulait aller encore plus loin. Il lui dit, tu leur diras le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je vais leur dire le Dieu de Jacob, d'Isaac, de Dieu de Jacques, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. C'est lui qui m'a envoyé. Son nom, je suis.
C'est un peu bizarre, non? Quelqu'un te donne une mission, te dit, si on te demande, dis-leur que je suis. Mais tu y es qui maintenant? C'est ça, ce qui a été caché et révélé à ce que Jésus veut. Voilà pourquoi Jésus avait dit que j'ai le pouvoir de révéler à qui je vais ce qui vient d'en haut. Lui-même, il s'est révélé que c'était lui, c'est lui qui était prévu qu'il vienne, c'est lui qui allait venir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons dans le livre de Deutéronome 29, au verset 29. La Bible nous dit, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Bien-aimés dans le Seigneur, les choses cachées, ce qui a été caché, Dieu maintenant, il révèle ça à nous, à toi et moi. Parce que il voulait que nous sachions. Voilà pourquoi Jésus, quand il marchait avec les disciples, quand il voyait la foule, Jésus parlait toujours en parabole. Mais ils entendaient, mais ils ne comprenaient rien. Tout à l'heure, l'homme de Dieu venait de lire ce que Jésus disait, pour que tu vis, il faut manger mon corps, boire mon sang. Ça a scandalisé Israël. Cette histoire, ça a scandalisé Israël. Ils ont commencé à poser des questions, mais ils parlent bien. Ils nous portent la bonne nouvelle. Mais comment un homme peut-il donner son corps qu'on le mange? Mais nous ne sommes pas des cannibales. Et c'était interdit dans la loi de manger le sang. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais pour eux, ils ont pris ça. C'était devenu un grave problème en Israël. Parce que seulement il avait dit, celui qui ne mange pas mon corps, qui ne boit pas mon sang, n'héritera pas le royaume des cieux. Ça causait un problème. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais quand il tournait avec les disciples, il leur disait pourquoi il avait dit cela. Donc tout ce que Jésus disait en parabole, il révélait aux disciples dans la loi cachée. Il leur disait ce qu'il avait dit en public pour qu'ils comprennent à quoi avait l'essence. Bien-aimé, la Bible nous dira, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous les cieux aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Dans le livre des Actes 4, 12. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a aucun autre nom. Mais c'est quoi ce nom-là? Il n'y a aucun autre nom qui peut sauver quelqu'un. Dans le livre de Philippiens 2, 9 à 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms.
nom qui est au-dessus de tous les noms. Donc, s'il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est quoi ce nom-là? Parce que si c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms, personne sur la terre ne pouvait avoir ce nom-là. Si on regarde, on va voir quelqu'un là-bas qui s'appelait Jésus. Même avant que Jésus soit, il y avait d'autres qui s'appelaient à cause de Jésus à l'époque. Si on regarde dans la Bible, nous allons voir qu'il y avait des Jésus qui existaient. Josué s'appelle aussi Jésus. Ils avaient le même nom que Jésus. Ça signifie Jésus. Donc, des Jésus existaient déjà. Mais la Bible nous dit, il n'y a pas un autre nom qui est au-dessus de tous les noms. Mais c'est quoi ce nom-là? C'est ça le nom qui sort. Et au verset 10, la Bible dit, afin qu'aucun nom de Jésus, tout genou fléchira dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il n'y a pas un nom qui est au-dessus de tous les noms. Mais là, maintenant, la Bible nous dit et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Christ qui veut dire seulement Messie. Bien-aimé dans le Seigneur. Là, maintenant, nous avons non seulement Jésus, il y a le Christ qui vient de coller avec. Ça fait maintenant Jésus-Christ. La Bible nous dit, c'est le nom maintenant, toute langue va confesser ce nom-là. Jésus-Christ. Mais avant qu'on descende plus bas, Paul avait écrit à Romains que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Plutôt, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Le Messie signifie Christ. Ça signifie encore ouin du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, il savait que le Messie va venir. Donc le Christ va venir. Mais nous avons été révélés maintenant que c'était Jésus Christ. C'est ça le nom qu'on allait confesser. Mais on ne peut pas confesser à un titre qui est Christ, parce que Christ c'est un titre. Voilà pourquoi même Satan aussi on l'appelle Dieu. Lui aussi ses adeptes l'appellent Dieu. Mais là nous avons maintenant le Christ qui est notre sauveur. Jérémie avait déjà annoncé, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses. Des choses cachées. Mais tu vas invoquer quel nom si tu ne le connais pas. Et Jérémie avait dit, invoque-moi, je t'annoncerai. Si tu invoques le nom que tu ne connais pas, ça n'a pas de sens. Pour invoquer quelqu'un, il faut savoir déjà si c'est la bonne personne ou pas. Mais nous avons la révélation. Oh, bien-aimé. Voilà pourquoi. Dans le livre de l'apôtre Jean, qu'est-ce qu'il nous dit? Lui, maintenant, il va nous révéler
qui était le Seigneur. Voilà pourquoi le livre de Jean commence. Au commencement était la parole. Amen. Nous allons survoler ce livre. Allons dans le livre de Jean 1. Dans le livre de Jean 1, à partir du premier verset, qu'est-ce que la Bible nous dit? Bien-aimé, la Bible nous dit ceci. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Jean révèle cela. Qu'au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Cette parole, c'est celle qui avait envoyé Moïse pour aller à l'Égypte. Il lui a dit, c'est moi la parole, dit l'air, c'est que je suis. Et Moïse n'a pas compris que c'était la parole qui lui disait. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole parle. Il lui dit, c'est moi, je suis. Mais je suis la parole, je t'envoie. Va leur dire ce que la parole t'a dit. Mais Moïse n'a pas compris. Moïse était là, il dit, mais je vais leur annoncer que toi tu es, que je suis ma voix. Est-ce qu'il ne faut pas me prendre pour un fou? Moïse te posait des questions. Va leur dire que je suis ta voix. Là, Jean nous parle maintenant que la parole était Dieu. Au verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière de l'homme. Bien-aimé, Jean maintenant démontre qu'est-ce qui était la parole. Au verset 5, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. La lumière qui était au ciel est descendue sur la terre. Parce que la terre, comme Satan est descendu, la terre était devenue ténébreuse. La terre est devenue sombre. Il n'y avait plus l'éclairage sur la terre. Voilà pourquoi à la fin du temps, il y aura des ténèbres sur la terre, parce que la lumière ne serait plus là. Nous avons la lumière qui est restée sur la terre avec le Saint-Esprit. Mais ces jours-là, il n'y aura plus la lumière sur la terre, les ténèbres vont prendre place. La Bible nous dit que la lumière est descendue sur la terre, mais nous ne l'avons pas reconnue. Bien-aimé dans le Seigneur, au verset 6, il nous dit ceci. Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent en lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. On parle de la parole qui est descendue maintenant sur la terre. Il prend la forme humaine pour éclairer l'homme, mais l'homme ne l'a pas accepté. L'homme a refusé d'accueillir cette parole qui était descendue du ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, au verset 11,
Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole là, qui était au commencement, Dieu a abandonné son trône. Il descend sur la terre afin qu'il prenne une forme humaine pour que la terre soit lumineuse, mais nous, l'homme ne l'a pas acquis. La lumière a été rejetée. Il préfère rester dans les ténèbres. Mais nous, par la grâce, comme nous l'avons acquis. Maintenant, la lumière brille à nous. Amen. Voilà pourquoi tous les chrétiens qui marchent dans la crainte de Dieu, il y a la lumière sur eux. Amen. Spirituelle. Amen. Parce que cette lumière-là brille sur nous qui avons accepté Jésus. Amen. Cette lumière, c'est ça qui nous distingue que quand les occultistes, tous les gens du ténèbres, s'ils nous voient, ils voient la lumière sur nous, c'est du coup. Et ils ont accepté cette lumière-là. Ils ne sont pas les nôtres. Parce que nous appartenons au Seigneur. Amen. C'est la lumière-là que nous avons laissée. Quelle grâce! Bien-aimés! Maintenant, nous avons accepté la lumière. Mais quand toi tu pries. À quel nom? Voilà pourquoi, quand tu invoqueras, invoque le vrai nom du Seigneur. Ce nom-là a été fusionné. Celui qui prie, oh, tu sors chez toi pour éclairer l'homme, mais l'homme ne l'a pas accepté. L'homme a refusé d'accueillir cette parole qui était descendue du ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, au verset 11, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole là, qui était au commencement, Dieu a abandonné son trône. Il descend sur la terre afin qu'il prenne une forme humaine pour que la terre soit lumineuse, mais nous, l'homme ne l'a pas acquis. La lumière a été rejetée. Il préfère rester dans les ténèbres. Mais nous, par la grâce, comme nous l'avons acquis. Maintenant, la lumière brille à nous. Amen. Voilà pourquoi tous les chrétiens qui marchent dans la crainte de Dieu, il y a la lumière sur eux. Spirituelle. Amen. Parce que cette lumière-là brille sur nous qui avons accepté Jésus. Amen. Cette lumière, c'est ça qui nous distingue que quand les occultistes, tous les gens du ténèbres, s'ils nous voient, ils voient la lumière sur nous, c'est du coup. Et ils ont accepté cette lumière-là. Ils ne sont pas les nôtres. Parce que nous appartenons au Seigneur. Amen. C'est la lumière-là que nous avons laissée. Quelle grâce!
Bien-aimés, maintenant nous avons accepté la lumière. Mais quand toi tu pries à quel nom? Voilà pourquoi, quand tu invoqueras, invoque le vrai nom du Seigneur. Ce nom-là a été fusionné. C'est lui qui prie. Oh, tu sors chez toi, si tu croisais Satan en face, si tu lui dis, au nom de Jésus, il va se moquer de toi. Moi aussi, j'aime Jésus là, la qualité de Jésus que toi tu parles. Parce que lui aussi, dans son côté, il y a des Jésus. Là, il est là, il se moque de toi. Tu es malade, tu pries au nom de Jésus. Sors la maladie. Quitte mon corps. Cette maladie, c'est mort de toi. Jésus est malade. Regarde, on t'appelle. Il est là, il se moque de toi. Bien aimé. Mais nous avons un nom pour ça. Amen. Quand tu cites ces noms, amen, dans le cadre de l'ennemi, il tremble. Amen. Même leur chef, amen, lui-même, il tremble. Amen. Parce que nous avons acquis un nom solide. Amen. Un nom puissant. Amen. Jésus-Christ. Amen. Oh, il est le Seigneur. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Les noms-là que le Seigneur avait cachés. Nous avons acquis cela comme notre propriété. Amen. Toujours dans le livre, là où on était au verset 14, la Bible dit là, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Au verset 14. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Maintenant, Jean confirme maintenant ce qu'on a reçu. C'est cette parole qui se fait chair. Maintenant, habite parmi nous. Non seulement cette parole habite parmi nous, mais aussi plein de grâces, dont la grâce divine est descendue sur l'homme. Et nous l'avons contemplé. Amen. Nous l'avons admiré. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu d'en haut. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'écrier, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Donc lui, il était avant moi. Donc c'est qui? C'est Jésus. Bien-aimés, nous avons la grâce de recevoir c'est lui que le Seigneur nous avait promis. C'était Jésus-Christ. Mais, ça c'est le nom que nous avons donné au Seigneur. Jésus-Christ.
parce qu'on cite quoi en français. Mais si c'était en lingala, on l'appellerait comment? Yesu Masiya. Ce n'est plus Jésus-Christ, c'est Yesu Masiya. En portugais, Jésus Christ. En ukrainien, Jésus-Christ. Donc, chaque peuple, ils ont leur nom à eux. Mon frère, dans ta dialecte, on l'appelle comment? On dit Jésus. Jésus. Donc, chaque peuple, ils ont adapté ces noms-là. Mais en réalité, ces noms-là signifient c'est la parole. Il est la parole. Bien-aimé dans le Seigneur. Ah, d'accord. Donc, chacun sortirait un nom. Mais ce nom-là a un sens. Quel sens? C'est la parole. Parce que c'est la parole. Bien-aimé, si cette parole ne te pénètre pas, tu peux crier Jésus-Christ, hein, il n'aura pas d'efficacité. Il faut que cette parole qui est descendu d'ici, pénètre en toi, en fait que le jour que toi tu cries, Jésus-Christ aura l'efficacité. Parce que la parole qui est venue du ciel est pénétrée en toi. Bien-aimé, sans cela, tu peux crier au nom de Jésus-Christ. Mais si tu n'as pas réussi cette parole en toi, il n'aura pas d'efficacité. Parce que quand tu dors, tu fais un mauvais songe, un mauvais rêve. On est en train de t'étrangler la nuit. Mais si tu sursautes, Jésus, directement, te réveiller. Pourquoi? Parce qu'il y a la parole qui est en toi. C'est lui qui n'a pas la parole. Parce que la parole qui est venue du ciel est pénétrée en toi. Bien-aimé, sans cela, tu peux crier au nom de Jésus-Christ. Mais si tu n'as pas réussi cette parole à toi, il n'aura pas d'efficacité. Parce que quand tu dors, tu fais un mauvais songe, un mauvais rêve. On est en train de t'étrangler la nuit. Mais si tu sursautes, Jésus, directement, te réveiller. Pourquoi? Parce qu'il y a la parole qui est en toi. C'est lui qui n'a pas la parole. Il ne va rien faire. Comme la parole n'est pas en lui, la parole ne peut pas agir. Mais nous qui avons accepté Jésus, cette parole a pris place à nous, à n'importe quel moment, quelle circonstance, que nous soyons attaqués les jours comme la nuit, comme cette parole est à nous, cette parole va surgir, va se réveiller. Quand il va se réveiller, c'est là où nous sommes victorieux. Parce que c'est le Seigneur, c'est sa puissance, c'est cette grâce qu'on a acceptée, qui vit maintenant en nous. C'est la parole, c'est Jésus lui-même. Voilà, lis chaque jour ta Bible de l'État, parce que c'est la parole de Dieu. Quand tu lis, cette parole entre en toi, même si tu ne comprends rien, toi demande seulement Seigneur, si c'est ta parole, que j'arrive à le comprendre. Amen. Bien aimé, tu vas lire la parole de Dieu. Tu vas commencer à le comprendre sans te rendre compte. Amen. Ce n'est pas difficile. Toi, lis seulement, tu dis, Seigneur, je vais lire ta parole. Mais, Père, aide-moi afin de comprendre tes écritures. Si tu demandes à Dieu, Dieu, c'est lui qui va faire de sorte que cette parole pénètre en toi. Parce que tu lui as demandé. Dieu veut ton bien. Alléluia. Amen. Nous allons dans le livre de Jean 14. À partir du 9e verset.
Jean 14, après le deuxième verset, la Bible nous dit ceci. Jean 14. Jean 14. Après le neuvième verset, la Bible nous dit ceci. Jésus lui dit, il y a si longtemps, je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Bien-aimé, cette histoire, l'apôtre Philippe demanda au Seigneur, « Oh Seigneur, toi si tu nous parles du Père, montre-nous le Père. Moi, j'aimerais voir le Père. » Maintenant, Jésus, il va lui donner la réponse. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu ?» Philippe, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Il dit à Philippe, « Philippe, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. » Il se pose des questions maintenant. Comment dit-il ? Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? La parole que je vous dis, ne te le dis pas de moi-même. Point. Bien-aimé, la parole que je te dis, ne te dis pas de moi-même. Donc, Jésus veut montrer seulement que Père, c'est la parole. Que la parole qui sort de la bouche de Jésus, c'est la parole de Dieu. Amen. Comme la parole de Dieu sort en lui, Dieu, il est en lui. Ils n'ont pas compris. Nous allons poursuivre ça. Et le Père qui demeure en moi, c'est celui qui fait les œuvres. Croyez-moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez, du moins, à cause de ses œuvres. Il veut leur montrer que les œuvres, toutes les œuvres que je fais là, vous êtes avec moi, tous les miracles que je fais, ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est le Père qui est en moi qui le fait. Voilà pourquoi. Ça ne sert à rien de suivre un homme qui fait des miracles. Parce que le miracle ne vient pas de lui, c'est le Père qui le fait. Un jour, j'ai regardé les affiches publicitaires des hommes de Dieu des conventions. C'est marqué en grand caractère. Venez voir des miracles. Venez voir des miracles. Il y aurait des miracles, hein, ces jours-là. Ils ont écrit dans des grands panneaux de publicité. Est-ce que le miracle avec le pasteur est tel ou le prophète est tel? Est-ce que le miracle, c'est le prophète là qui le fait ou bien c'est Dieu qui le fait? C'est Dieu. Au nom de qui? Venez, car Dieu pourra faire le miracle ce jour-là. Mais non, venez voir le miracle avec le pasteur éternel. Donc, ils enlèvent Dieu à sa place, ils mettent l'homme à la place de Dieu. Parce que la parole n'est pas là. Or, c'est Dieu qui fait les miracles, ce n'est pas l'homme. Bien-aimé, moi je vais prier pour toi. Si tu es malade, tu auras la guérison. Mais ce n'est pas mon nom, c'est au nom du Seigneur. Amen. Ce n'est pas moi qui te guéris, c'est le Seigneur qui fait à travers moi qui est son simple instrument. Il me prend comme des baguettes que mon frère utilise là pour jouer. Il peut me taper comme il veut. En fait, c'est seulement que le son part, sort. Et que ça fasse quelque chose. Parce que je suis un simple instrument. Bien aimé dans le Seigneur. Nous devons savoir ça. Il dit à Philippe,
Mais vous cherchez le Père comment? Parce que le Père est dans la parole. Dans la parole. Bien-aimé, cette parole-là, c'est lui-même Dieu. Voilà pourquoi quand Dieu avait interdit, quand Dieu avait donné sa loi à Adam, il lui a dit, tu mangeras tous ces fruits dans le jardin. Mais c'est de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Ça ne touche pas, sinon tu mourras. C'était la parole qui est sortie dans la bouche de Dieu. Mais Satan, comme il était malin, lui aussi est venu avec la parole. Mais la parole que Satan est venu avec, il vient avec la parole de Dieu, il te le présente. Après, il tord de ça pour que tu tombes. Bien aimé, c'est ce qui nous arrive. Nous lâchons la véritable parole. La parole de Dieu pour écouter la parole qui n'est pas de Dieu, qui vient de Satan. Bien aimé, nous devons faire attention. Parce que c'est là où nous perdons la grâce divine. Bien-aimé, il continue de dire au verset 13, il va dire ceci. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le verrai. Alléluia. Amen. Maintenant, toi, tu demandes à quel nom? Jésus te dit, si tu demandes à mon nom, bien-aimé, tu ne peux pas dire le nom de Jésus-Christ. Tu dis, au nom de la parole de Dieu vivant. Bien-aimé, nous devons faire attention. Parce que c'est là où nous perdons la grâce divine. Bien-aimé, il continue de dire au verset 13, il va dire ceci. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le verrai. Alléluia. Amen. Maintenant, toi, tu demandes à quel nom? Jésus te dit, si tu demandes à mon nom, bien-aimé, tu ne peux pas dire le nom de Jésus-Christ. Tu dis, au nom de la parole de Dieu vivant, la parole que moi j'ai récite. Qui m'a vu changer. Amen. Comme c'est cette parole-là que toi t'as reçue, ta vie m'a changé. Amen. Parce que la parole qui vous descend, cette parole a pris le nom que la parole avait, c'était le nom qui est au-dessus de tous les noms. Bien aimé, il y a des faux Christ aujourd'hui. Il y a des faux Jésus. Ce n'est pas le faux Jésus, mais ce n'est pas le vrai. Mais Jésus-Christ, ce n'est que la vision de la parole. C'est la parole qui est Dieu, a été fusionnée entre le nom que le Saint-Esprit avait donné à Joseph, que tu l'appelleras Jésus, et la promesse de Dieu que le Messie viendra au nom du Christ. Maintenant, les deux noms-là, celle que le Saint-Esprit avait donné à Joseph et la révélation que le Sauveur viendra, ça fait maintenant le nom de Jésus et le nom du Christ. Quand on le fusionne, ça fait la parole de Dieu. Bien-aimé, voilà pourquoi, au nom de Jésus-Christ, quand tu parles Jésus-Christ, ça fait la grâce
du Christ et l'homme qui est né de la femme, Jésus, maintenant, c'est ça. Ça va se fusionner. Quand ça fusionne, qui sort maintenant? C'est lui-même, Jésus. Amen. C'est la parole qui sort. Amen. Voilà, quand tu pries, j'avoue dans les camps le feu du Saint-Esprit. Quand tu cries, comme la parole est à toi, ça aura des répétitions dans les camps de l'ennemi. Parce que c'est la parole maintenant qui agit. C'est Dieu qui agit. Voilà le nom qui nous a laissé, le nom qui sauve. Bien-aimé, partout où tu seras, dans n'importe quelle situation, toi, Christ seulement, Jésus-Christ. Mais quand tu crieras Jésus-Christ, il faut que cette parole soit en toi. Parce que si cette parole n'est pas en toi, Satan va te frapper. Voilà pourquoi, un jour, les fils des prophètes, ils ont vu Paul comme il faisait des miracles. Ils ont dit, ah, mais hey, ils délivrent des gens au nom de Jésus-Christ. Et ils arrivent, ils entrent chez une personne qui était possédée. Quand ils entrent, ils disent, bon, nous, on va lui délivrer aujourd'hui de son esprit impur qui est en train de lui tracasser. Il commence. Au lieu de citer le nom de Jésus-Christ que Paul citait, et ils ont commencé, au nom de Dieu de Paul, oh, sors de ce corps. Au nom de Dieu de Paul, sors de ce corps. Bien-aimé, quand toi tu pries, au nom de Dieu de Pasteur Mbongo, il faut que ce Dieu-là soit en toi. S'il n'est pas en toi, il n'aura pas d'efficacité. Bien-aimé dans le Seigneur. Si tu pries, au nom de Dieu de l'évangéliste Moïse, bien-aimé, si ce Dieu-là n'est pas en toi, on n'aura pas d'efficacité. Bien-aimé, ces deux fils de prophètes, quand cet esprit a été énervé, le Dieu de Paul, c'est qui encore? Quand il s'est réveillé, l'esprit-là, l'homme qui était possédé, il les a attrapés les deux, il les a frappés. Quand ils sont sortis, ils n'avaient pas d'habits cirés. Ils fouillaient de tous les côtés. Parce que l'esprit a été énervé. Si c'était au nom de Jésus-Christ que prie Paul, là, l'esprit allait sortir. Mais elle, il priait au nom de Jésus Congir. Sors de ce corps. Au nom de Dieu de Paul. Le Dieu qui prie Paul, tu sors. L'esprit a été. Ah, mais tu m'énerves. Tu m'énerves. Il continuait. Quand l'esprit s'est levé, bien aimé, c'était triste pour eux. Nous devons faire attention. Il veut que tu comprennes qu'à aucun nom il y a le salut. C'est seulement au nom de Jésus-Christ. Mais lequel? Qui est la parole? La parole. C'est la puissance de la parole. Quand on parle de la puissance de la parole, on parle du véritable Seigneur des Seigneurs. Amen. Qui est notre Dieu. Amen. C'est lui, Jésus-Christ. Amen. C'est la parole divine. Bien-aimé, laisse que la parole entre en toi. Amen. C'est seulement le seul moyen pour que tu sois assuré que si la parole demeure en toi, ça va t'aider à marcher dans le droit chemin. Bien-aimé, on peut tout chercher. Mais si tu n'as pas la parole, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Si le Seigneur aussi venait demain, en toi, il n'y a pas sa parole. Mais tu iras où? Parce que pour qu'il te reconnaisse, il faut que sa parole habite en toi. Mais en toi, il n'y a rien. Tu n'as rien. Il n'y a pas la parole en toi. Tu vas te justifier comment ces jours-là. Nous allons aller dans les Jean 17, au verset 6. Jean 17, verset 6. La Bible nous dit ceci. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. C'est Jésus qui parle. Il dit, j'ai fait connaître aux hommes ton nom. Quel nom?
que tu m'as donné au milieu du monde, qui était à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Jésus qui parle. Il dit, je les ai appris ton nom. Et qui sont dans le monde, je les ai fait connaître ton nom. Le nom qui était à toi. Donc ces noms-là, c'était la parole. Donc Jésus explique, les noms qui étaient à toi, je les ai donnés. Jésus nous a donné quoi? La parole. La parole qui est le nom du Père au ciel. On va recommencer. Il dit ceci, je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Jésus nous a fait connaître le nom du Père. C'est là. Il nous explique. Le nom du Père, c'était quoi? La parole. Il nous a démontré et il nous a fait garder sa parole, qui est le nom du Père. Nous allons verset 11. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint. Garde ton nom, ce que tu m'as donné, à qui? Du Père. C'est là. Il nous explique. Le nom du Père, c'était quoi? La parole. Il nous a démontré et il nous a fait garder sa parole, qui est le nom du Père. Nous allons verser 11. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint. Garde ton nom, ce que tu m'as donné, à qui soit un comme nous. Afin qu'il soit un comme nous. Je suis dans le monde. Non, il dit, je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint. Garde à ton nom ce que tu m'as donné. Donc, il garde au nom de Dieu. Qu'il garde au nom de la parole ce que tu m'as donné. Ça, c'est le disciple. Ça, il priait pour le disciple. Donc, Jésus intercédait déjà pour les disciples. Il dit, afin qu'il soit comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés à ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture fût accomplie. Jésus, maintenant, explique. Il dit, ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun d'eux. Mais garde-les à ton nom. Donc, que Dieu garde les disciples dans sa parole. Amen. Donc, si les disciples sont gardés dans sa parole, ils vont marcher droit. Amen. Sinon, seulement l'un
qui était le fils de la perdition, ça c'était Juda. C'est lui que Jésus avait perdu parce que les écritures devaient s'accomplir. C'était prévu qu'il y aura les traîtres verront Satan et Satan va. C'est lui qui sera enlevé parmi les disciples. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu que le nom du Christ, le nom que le Christ avait reçu, ce n'était pas un nom humain. C'était un nom spirituel. Donc Jésus avait un nom spirituel. Mais comme c'était sur la terre, il a fallu qu'il porte l'étiquette. Cette étiquette, c'est ça que le Saint-Esprit avait révélé à Joseph, qui lui donnera le nom de Jésus. Mais comme il savait, c'était le Messie, c'était le Christ, celui qui allait venir pour sauver le monde. Maintenant, il fallait fusionner les deux noms, ceux du Messie et ceux qu'il avait reçus sur la terre, afin que ça devienne le nom qui est venu avec d'en haut. C'est seulement en fusionnant ces deux noms, ça devient efficace. Ça devient le nom du Seigneur Jésus-Christ. Si tu appelles Christ, Christ, viens me sauver, il ne viendra pas parce que tu as oublié l'autre. Si tu appelles Jésus, Jésus, ça ne serait pas lui. Il y a un Jésus Gonzalves ou Jésus Salvador qui va se présenter. Mais si tu l'appelles Jésus-Christ, là, c'est la parole qui vient. Là, il est là, il entre maintenant dans sa plénitude, dans sa plénitude, dans sa grandeur. Là, il prend sa place du roi, il vient en présence de la... il vient en personne de la parole. Bien-aimé, voilà pourquoi il dit, nul ne vient au Père sans passer par moi. Voilà, si tu veux aller monter au Père, il faut passer par Jésus-Christ, qui est la parole divine. Seulement, quand ça s'est réfusionné, c'est à ce moment-là que ça devient l'Esprit du Père, que l'Esprit du Père se met en mouvement. Le Saint-Esprit est avec nous. Parce que c'est lui-même Dieu, mais en esprit. Bien-aimé, le Seigneur aujourd'hui, il voulait te dire que c'est lui le véritable, celui qu'on entendait. C'était lui la parole. Si tu utilises le nom de Jésus sans que la parole est en toi, c'est que le nom que tu l'utilises en vain. Il faut d'abord que la parole entre en toi, que la parole prenne place en toi, afin que le nom de Jésus-Christ soit efficace en toi. Quand tu prieras au nom de Jésus, tu verras ce que Jésus-là fera pour toi. Il est le chemin, la vie et la vérité. C'est lui Jésus-Christ. Bien-aimé, voilà pourquoi un jour dans le livre de, on va pas lire dans le livre de Jean 7 au verset 6, Jésus enseignait aux synagogues et ils avaient envoyé les huissiers pour aller l'attraper, pour aller l'arrêter. Mais quand les huissiers arrivent là-bas, ils écoutaient Jésus qui est en train de prêcher la parole. Ils étaient là, ils entendaient, ils écoutaient Jésus, la prédication. Quand ils n'ont même pas payé, ils ont dit non, jamais une personne ne peut parler comme lui. Ils sont partis, ils arrivent chez les pharisiens, on leur pose la question. Est-ce que vous l'avez vu ou pas? Ah si, on l'a vu. Mais vous l'avez arrêté? Oh non, Seigneur, il n'y a jamais personne qui parle comme cet homme. Lui, ce n'est pas une personne. Jamais un homme a parlé comme lui. C'est pour montrer que c'était lui-même la parole.
Bien-aimé qui va interroger la parole. Voilà pourquoi, quand on avait attrapé encore la femme adultère, cette femme qu'on avait attrapée, qu'on voulait les lapider, ils l'ont amenée où? Dans le même temple, là où Jésus prêchait la parole. Quand ils ont amené la femme, ils arrivent là, on dit, oh Seigneur, cette femme, on vient de l'attraper en frappant des lits. Jésus les regarda, il faisait semblant. Il est en train de crier sur dans la terre. Il écrit sur la terre. Ils ont dit, mais Seigneur, la loi de Moïse nous dit, une jeune de femme, il faut qu'on la lapide. Jésus, il fait semblant comme s'il n'écoutait pas. Il continue d'écrire. Maintenant, il se relève, il regarde tout le monde. Il regarde, il dit, ils ont posé la parole, la question à la parole. C'est lui qui avait établi la loi. Maintenant, on va lui poser une question pour lui dire, dans ta loi que tu avais donnée à Moïse, ce genre de personnes, on devrait la lapider. Lui qui était la parole. Maintenant, il prend la parole, il tourne la parole et il n'avait pas d'autre solution. Il leur dit, toujours dans la parole, parmi vous, celui qui n'a jamais péché, qu'il prenne la première pierre qu'il lance. La Bible nous dira, dans leur conscience, la parole les a frappés, les a rappelés. Toi, tu as péché hier. L'autre, toi, tu pêches tout le temps. Tout le monde, ils avaient des péchés en eux et personne n'a lapidé cette femme. En commençant de vieux jusqu'au petit, ils ont pris le chemin, ils sont partis, ils ont quitté le temple, ils sont partis sans dire un mot. Parce que leur conscience a été touchée par la parole. Ils voulaient mettre la parole à l'épreuve et la parole les a confondus. Et Jésus va dire, oh, madame, et les gens qui t'ont condamné sont où? Non, il n'y a personne.